Chers amis, bonjour, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel sur ce lever de soleil face au biome message. J'espère que tout va pour le mieux, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Creativeverse. Je suis super content de vous retrouver. J'ai absolument plus rien dans mon inventaire, mais pas de panique, tout est rangé dans des coffres. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait en off les amis. J'ai très hâte de tout vous montrer. The Birdie, la maison est juste ici. Merci pour vos commentaires d'ailleurs. Le commentaire du jour, c'est celui de Gebael PL Parent, donc merci à toi pour ton commentaire. Et puis merci à tous encore une fois pour vos commentaires. Pour cet épisode, une fois que je vous aurai montré tout simplement ce que j'ai fait en off, eh bien, nous irons en mine pour aller miner. Donc la gamma sera augmentée, donc pas de panique, hein. BXNO par exemple qui disait dans le dernier épisode qu'on voit pas grand chose dans les mines. Mais à ce que je sache, dans le dernier épisode, on n'était pas vraiment dans les mines. Donc c'est pour ça que j'avais pas augmenté la gamma. Du coup, ce que j'ai fait en off, regardez, j'ai terminé ici les barrières. Nous avons notre jardin qui est prêt. Il me semble que du coup, j'avais pas terminé les barrières en vidéo. Des petites torches qui ont été rajoutées pour l'éclairage. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur et vous allez voir, c'est incroyable. Bonjour. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici notre processeur. Ici, nous avons la forge. Ensuite, là, je sais plus si j'avais montré ça en vidéo, ça fait un petit moment à vrai dire. Attendez, je vais juste fermer la porte, hein. Je viens de me rendre compte qu'on laisse pas la porte ouverte. Mais ici, nous avons, voilà, table, tranquillement. Mais je crois que j'avais montré ça en vidéo, je suis pas sûr. En revanche, ce qui est sûr et que je n'ai pas montré, c'est ici. Tout simplement, bah d'ailleurs, j'avais montré, oui, que j'avais changé l'emplacement de porte. Il me semble, attendez, je suis perdu, totalement, je suis perdu, mais je crois que oui. Non, par contre, j'ai trié, en fait, ça, c'est pas des coffres. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est des bibliothèques en fait. C'est tout simplement des bibliothèques mais qui sont retournées. Et ça rend plutôt pas mal. Ça fait des petits storage quoi. Et donc j'ai un petit peu trié tout ça. Donc par exemple ici c'est les collectes des minages. Ici c'est ce qui... voilà, c'est pour minage. Bon, j'ai trié la façon que je m'en sors le mieux. Grosso modo, c'est ma façon de trier après tout. Donc le but du jeu c'est que moi je m'en sorte. Du coup voilà, ici on a un petit coffre, il n'y a rien dedans, et là il y a l'autre coffre également, il n'y a rien dedans. Par contre, regardez les amis la chambre, est-ce que vous êtes prêts? Non, je ne pense pas que vous êtes prêts, parce que regardez, donc j'ai fait des escaliers, et là ça n'a plus rien à voir, oh là 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 là. Alors j'ai mis le téléporteur ici d'ailleurs, bien évidemment. Ici on a une petite fenêtre, d'accord, ici des coffres qui sont vides, évidemment, et là la chambre, bonjour, bienvenue dans ma chambre. Est-ce qu'on est pas mal là, franchement? Est-ce qu'on n'est pas dans une ambiance assez sympa? Donc j'ai mis des LED au sol. Donc vous doutez bien, j'ai dû un petit peu miner en off mes quelques petits trucs. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on aille miner dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait également au niveau des mines. Donc voilà, j'ai vraiment tout fait un petit peu comme je voulais. Alors je pouvais pas, je voulais faire des lumières bleues. Malheureusement, il me manque des fleurs bleues. Donc j'espère un jour en trouver. Mais du coup voilà, je suis vraiment satisfait. Et donc à partir du moment où on se téléporte, eh bien voilà, le téléporteur est ici. Donc là on est vraiment, c'est un petit cocon, vous trouvez pas que c'est cosy franchement? Je trouve que c'est vachement cosy. Et donc les fenêtres en fait elles donnent, regardez je vais vous montrer où c'est qu'elles donnent. Eh bien, tout simplement là où on était au début, donc il y a quelques épisodes de cela. Voilà, regardez juste ici, voilà on a une fenêtre là et l'autre fenêtre qui est ici. Et nous on avait notre petite base là-dedans là, vous voyez. Donc vraiment, vraiment très cool. Ce que j'ai fait, donc du coup où c'est que j'ai miné, je vais vous montrer. Il me semble que j'ai encore des trucs à récupérer. Je me suis fait un petit emplacement sécurisé, parce que je me suis fait attaquer par des monstres en folie, donc je me suis mis plutôt bien, je vais vous montrer. Hop hop hop, on y arrive. Donc des petits escaliers, oula. Voilà, donc il y a encore pas mal de trucs. Donc là, j'ai du charbon, encore du charbon, de l'obsidienne, c'est ça, encore de l'obsidienne. Et là, vous voyez, il y a encore de l'obsidienne qui traîne en haut. Là aussi de l'obsidienne, il y a pas mal de trucs à récupérer. Et en fait, juste derrière... juste derrière c'est la grotte où on était donc dans le dernier épisode. Et là je me fais attaquer tout le temps. Et d'ailleurs c'est dans cette mine qu'on va aller s'aventurer ensemble. Mais voilà, je voulais vraiment me mettre en sécurité pour pas mourir en off. Et par contre on va explorer en vidéo aujourd'hui tout ça. Là on a encore du charbon. Donc attendez, déjà il faut qu'on fasse le plein en extracteur. D'accord, on va faire plein d'extracteurs. Et puis on va aller explorer un petit peu ces grottes. Voilà, on va se mettre bien tranquillement. J'espère que ça va bien se passer et qu'on va pas mourir. Alors les extracteurs. Les extracteurs, je sais même plus comment on en craft en fait. Ça fait un moment que j'ai plus joué. Extracteur, bah il faut juste des wood slabs et des stone slabs. Alors attendez. Attendez. Déjà, il me faut du bois. Et il me faut... ouais, on va utiliser de la bedrock. Est-ce que j'ai pas... si, là j'ai des wood slabs et des stone slabs. Je pense pas qu'ailleurs j'en ai.
Alors, on va prendre les torches sur nous, on va prendre ça aussi sur nous, hein, pour régène, dans le cas où on perd de la santé. Je vais mettre dans ce coffre, voilà, les collectes. Et on va commencer tranquillement par se faire quelques wood slabs supplémentaires et des stone slabs supplémentaires. Et donc, on va pouvoir commencer à crafter des extracteurs. Donc là, l'idée, c'est qu'on en prenne un maximum, évidemment, parce que je pense qu'on va beaucoup en utiliser. Et du coup, on va vraiment s'enfoncer dans les mines et découvrir du coup des nouveaux minerais qu'on n'a pas encore découverts. Et je pense que ça va être assez sympa. Moi, ce qui me fascine, c'est ce tableau. Genre qu'on puisse mettre n'importe quelle image. Genre, il y en a tout plein. Genre, c'est incroyable. Et je pense qu'il y en a une infinité. Peut-être même qu'on peut en personnaliser. Ah non, il n'y en a pas une infinité, en fait. J'ai rien dit. Mais peut-être qu'on peut en créer. Je ne sais pas si on peut en créer. Bon, je pense que si on a la version premium, on peut en créer. Ça me paraît évident, après c'est peut-être pas vrai. Mais du coup voilà, bon, on attend que tout ça se fasse. Et puis on va aller tranquillement en mine. Mais c'est vrai que... Comment on craft ça là? C'est un processeur, comment on craft ça? Ouais bon, j'ai pas de vigne hein, malheureusement, je crois. Parce que ça irait plus vite de faire plusieurs processeurs. Mais il me semble que j'ai pas de vigne. En effet, non, j'ai pas de vigne. Mince, je vérifie. Ouais, j'ai pas de vigne malheureusement. C'est dommage, hein, parce que même là ça suffira pas. Donc j'aimerais bien qu'on trouve du fer, pas mal de petits trucs, il y a beaucoup de craft encore là qui sont débloqués, mais que j'aimerais bien faire. Ah, faut qu'on fasse des coal torches par contre, ouais, donc on va en profiter, on va vite récupérer un petit peu de charbon. Bah on va tout prendre, on va prendre tout le charbon, ça va nous être utile. Et il nous faut des wood rods, hein, c'est ça? Alors où c'est que c'est les wood rods? J'en ai pas des wood rods. Ah si, là j'en ai, non j'en ai pas. Attendez, il faut que je m'en ressorte un petit peu dans les coffres, j'ai pas de wood rods, hein, on est bien d'accord. Donc il faut que je fasse de la wood rod également, oh c'est chiant, hein. C'est très très chiant. Si j'avais su, je me serais un petit peu plus avancé, mais bon, malheureusement. Donc là, ça nous fait seulement 4 extracteurs. Hein. Et là, je peux extraire pas mal de trucs. Donc d'ailleurs, on va vite descendre, on va pas perdre de temps. Et on va vite aller extraire, du coup, le charbon en priorité. Parce que du coup, le charbon, ça va nous permettre d'explorer plus loin. Voilà. Il doit y en avoir encore caché derrière. Donc voilà, on va se focus sur le charbon. Attendez, d'ailleurs je vais mettre une torche parce qu'on voit pas grand chose. Attendez. Hop. Alors est-ce qu'il y a du charbon derrière encore? Non, il n'y a pas d'autre charbon. Visiblement. Stone mining cell is damaged. Ah! Pourquoi il dit ça? Pourquoi j'ai eu un message en disant que mon truc est endommagé? C'est même pas vrai. C'est pas vrai du tout. Attendez. Non, redonne-la moi. Ok. Pourquoi elle a un damage? Je ne sais pas. Trop bizarre. Bon, il n'y a pas plus de charbon par ici. Donc bon bah c'est très bien. Ah là-haut, ouais, donc c'est de l'obsidienne, on s'en fout. Alors récupère-moi tout ça. Et du coup dès qu'on aura tout récupéré, je pense qu'en haut ce sera fini. Et puis on va enfin pouvoir partir du coup à l'aventure. En tout cas, merci à tous de suivre la série. Ça fait déjà 5 épisodes. Alors on prend notre temps tranquillement, évidemment. C'est le but du jeu, qu'on prenne notre temps, mais c'est vachement cool. Et moi je prends mon pied hein, avec cette série, franchement. Franchement je me mets bien. Ça me fait du bien de changer d'air un petit peu. Enfin du coup c'est toujours un jeu cubique hein. Mais ça fait du bien de changer d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va faire des extracteurs. On va faire des coal torch. Voilà, j'en ai combien? 32, c'est pas énorme. J'ai 8 extracteurs, c'est pas mal. Attends, on va continuer. On va faire ça équitablement. Alors on va pas en demander plus de wood rod. Ok. Voilà, on se fait encore des torches. Ah bah là ça me fait, voilà, bah là ça me fait pile un stack Minecraft hein, du coup. Donc 64 coal torches, c'est pas mal. Allez, on s'en fait encore un peu plus. Voilà, 96. Là, on se met bien. On attend que ça se termine et une fois qu'on a tous les extracteurs, on est parti du coup direction la mine. J'avoue, j'ai peur quand même. Les mecs, en vrai, j'ai vachement peur. Y a pas des trucs que j'ai oublié? Non, j'ai tout. Ah mais là j'avais de la wood rod là. J'avais pas vu en fait. Depuis tout à l'heure. Bah attends, vas-y. On va user tout le... Voilà, on a usé tout le charbon pour faire des torches. De toute façon on va en récupérer de nouveau. Non, je suis vraiment pas bien. Chers amis. Sachez que j'ai très peur de ce qu'on va faire dans les mines. Allez, encore la dernière stone slab. Et on sera parti. Du coup je crois qu'on a 10 extracteurs si je dis pas de bêtises. Hop, ça nous en fait 11 même, voilà. Bon bah du coup les amis c'est parti, on ferme la porte. À tout moment je peux me téléporter évidemment à la base. Sachant qu'il faut 5 secondes pour se téléporter, donc c'est assez terrible. Donc la mine elle est ici. Voilà, c'est parti, allons-y gaiement.
On a plusieurs endroits à visiter, par exemple en bas là. Mais évidemment c'est le moins safe, donc on va pas y aller tout de suite. On va d'abord sécuriser la zone là-bas, étant donné qu'il y a plein de monstres. Et donc là vous voyez c'est là où on était avant, hein. L'escalier il est là, regardez, je vais vous montrer. Attendez. Pas du tout. Ah non, c'est là, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, je me suis trompé. Voilà. Vous reconnaissez juste comme ça, hein. Comme ça vous reconnaissez. Voilà. Du coup c'est parti. On va faire ça, attendez, on va faire ça méthodiquement. Voilà, on va garder de la bedrock sur nous. Les torches en première position et la bouffe ici, d'accord? L'extracteur ici. Voilà, comme ça, en termes de raccourci clavier, je serai peut-être un peu plus... Oh là là, j'ai peur. Ah! Pardon. Alors la musique ne va pas du tout avec l'ambiance. Alors, il y a deux méchants, hein. Il y a deux monstres, et ça me fait peur. Ouais, d'accord, j'ai compris. On peut pas les apprivoiser, peut-être? Ah! Pardon. Excusez-moi, ça me fait peur. Attendez, il y a un truc qui me dérange, c'est-à-dire que la cloche que je tiens actuellement, qui me permet d'apprivoiser des animaux, on fera ça dans un autre épisode, je vais le ranger. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, pour switch entre l'épée et la main, bah il y a toujours la cloche qui vient et qui m'énerve. Du coup, on va l'enlever, d'accord? Et puis je vais mettre ça, voilà, ici. Voilà. Bon, c'est pas pour miner, mais voilà, je l'ai mis là. Comme ça, au moins, en un coup de main, je peux placer des blocs et partir à l'attaque. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, allons-y gaiement. Et ça fait peur, hein. Cet endroit me fait peur, il y a plein de méchants et tout et je sais pas comment on va faire. Puis on va pas grand chose. Hein. Alors on va vite à fond mettre plein de torches. Oh là là, ça continue dans tous les sens. Oh là là, j'ai trop peur. Les mecs, je suis pas bien. Attends, on va descendre par là. Bon, j'entends des méchants. Hein. Alors là, on a de la magnétite. Alors on a déjà découvert ça apparemment, je pensais que c'était la première fois qu'on en voyait. Bonjour, oh là là. J'ai peur les mecs. Oh, vous entendez? Putain, il y a des bruits de craquement de partout. Oh là là. Bonjour. Yo, ça va? Ah. Heureusement qu'il y a des gentils avec nous, hein. Ça me rassure un peu, mais... pas tant que ça. Alors on sécurise à fond, hein. Parce que tout n'est pas rose. Alors là, on a du charbon. On récupère après, hein. C'est pas un objectif pour le moment. Eh, je suis tendu, hein, ça y est. Je vois flou, hein. Dans ce genre d'épisode, je devrais me mettre en facecam. Hein. Sans déconner, hein. Bon alors c'est bien, il y a un gentil là devant nous là. Il a pas peur lui. Bon, on progresse. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. C'était peut-être pas la peine de s'exciter comme ça. Allez. Bon, je l'ai tué, on va régénérer tranquillement. Oh là là. Ce jeu me fait peur. Ah! Attendez! Non, c'est un gentil lui. Oh là là. Allez, pitié que c'est un cul-de-sac. Non, c'est pas un cul-de-sac, ça continue. Et ça descend. Oh là là. Pourquoi j'ai dit que je jouais à ce jeu? Oh, ça descend super profond. Oh, checker ça. Oh là là. Ah. Stalactites, il y a des stalactites. Et il y a de l'eau. Alors là je suis trop content en même temps parce que je découvre en vrai, hein. C'est la première fois que j'arrive dans ce genre d'endroit, dans ce jeu. Heureusement je connais pas tout du jeu. Il y a des stalactites quoi. Alors comment on fait? Pour ça il faut une obsidian mining cell. D'accord. Et pour ça il faut de l'obsidienne, de la bedrock, de la magnétique. Ouais en fait on a ce qu'il faut hein, pour faire l'obsidian mining cell, d'accord. Eh bah faudra vite en faire une et on va faire ça dans cet épisode, pardon je bégaye, hein, ça y est. Excusez-moi si je bégaye chers amis, mais vraiment je suis pas bien. Alors on va en profiter du coup pour récupérer, pardon, de la magnétite, même si je crois on en a déjà à la base, mais
au cas où on en récupère. Et surtout on va prendre le charbon que j'ai vu en zone safe là-bas. Oh ça me fait peur, il y a tellement de chemin à explorer. Là on a de la limestone, on récupère un peu toujours. Là on a quoi là? De l'obsidienne, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas d'ailleurs, du coup on va prendre en fait. Mais moi ce qui m'intéresse à vrai dire c'est le charbon parce que les torches ça va vite quoi. Donc voilà, on se focus. Ah putain mais il est con lui. Ouais bon bref, là ça va où? Autant sécuriser partout. J'aimerais bien que ce soit un cul-de-sac. C'est pas un cul-de-sac. Oh là là. Si c'est un cul-de-sac. C'est pas un cul-de-sac. Oh ça continue. Ça continue de ouf. Oh là là. Pitié que c'est un cul-de-sac la vérité. Hein. Mais y'a jamais de cul-de-sac dans ce jeu? Ah si c'est un cul-de-sac. Oh trop bien c'est un cul-de-sac. Oh ça me plaît. Alors autant dans Minecraft j'aime pas les cul-de-sac, dans les mines ça me saoule. Mais alors là, ici ça me plaît. Parce que là tu vois on est en zone safe. On peut récupérer plein de matériaux. Là on pourra récupérer des stalactites sans trop de difficultés quoi. Ok, on va récupérer la magnétite. Waouh, ce jeu il fait peur quand même hein. Au final ce jeu fait peur hein. Là on a, c'est quoi, du tar. Ah pour ça il faut une iron mining cell. Alors comment on fait ça encore? Ah ouais là il faut quand même des sales trocs et pour ça il faut les stalactites donc ouais. Faut faire chaque chose. Vous voyez en fait chaque craft faut faire chaque chose en son temps à chaque fois, vous voyez. Ça ce qui est aussi pas mal avec le jeu c'est qu'au final c'est intuitif. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi tout de suite. Bon du coup retournons sur nos pas. Je vous aime. Merci d'être abonné à ma chaîne, ça m'a fait peur ça. Alors que c'est mes propres trucs. J'ai cru que c'était un monstre. Voilà. Ah il y en a encore, ça c'est bien. Voilà. Là ici c'est safe. En haut pour ressortir. En plus il va faire nuit bientôt alors si on pourrait se dépêcher de sortir avant qu'il fasse nuit. Putain j'aimerais sortir. Ça m'angoisse là. En plus ouais le soleil se couche hein. Bon c'est plus ou c'est déjà un peu plus safe. Vite fait le cochon m'a fait peur. Tout me fait peur maintenant ça y est. Waouh le soleil qui se couche. On va vite ouais on va vite se mettre bien. Oh là là les mecs j'ai peur hein. Ce jeu est effrayant. Ce jeu est effrayant. Aïe 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 coup dur. Là d'ailleurs il me faudra que je crafte des portes. Du coup en attendant ce que je vais mettre c'est que je vais mettre de la limestone. Parce qu'à tout moment des monstres peuvent venir dans la maison. Ce serait quand même assez dommage. Du coup on va craft de l'obsidiane machin. Donc pour ça il me faut encore des stone slabs et de l'obsidiane. J'ai pas d'obsidiane. Ah mais je suis un tocard. Ah si j'en ai là. Ah si j'en ai. Ah bah non. Ah mais il faut faire ça dans la forge. Ok. Oh là là la panique ça y est. Je me suis dit je pouvais pas en faire. Donc hop. Voilà. Je sais plus combien il en faut. 4. Nickel. Et il faut aussi des stone slabs. Non j'ai dit des stone slabs. Voilà. Eh bah cette aventure est effrayante dis donc. Et puis on va en profiter. On va refaire des extracteurs évidemment. Parce que ça part vite mine de rien. Hop. Bon ça prend du temps ça, mais c'est bien au moins on va pouvoir dormir tranquillement. Bon, oh chers amis, je suis tellement content là d'être de nouveau dans la base. Oh là là, ça fait peur. Oh là là. Du coup on est d'accord, j'avais déjà ouais voilà j'en avais là de la magnétite, c'est ça. Ok. Et bah j'ai très hâte qu'on se crafte du coup l'obsidian mining cell. Hein. Parce que on va pouvoir miner plus rapidement. Et en plus de ça, bah du coup voilà, on va pouvoir prendre les stalactites du coup. Et pouvoir progresser. Ah là, je suis content. On avance en fait, tu vois. On est qu'à l'épisode 5 et on avance vraiment pas mal. On avance vraiment pas mal. Putain, cette série me fait flipper. Un jour, comme je l'avais dit dès le début de l'aventure, je ferai probablement des lives sur le jeu. Là pour le moment, c'est pas encore prévu. Je préfère encore un petit peu profiter hein, de faire des vidéos et d'être. De prendre confiance parce que ça me fait peur là quand même. Je me verrais pas jouer en live là. Voilà, c'est bon, je peux la faire. Voilà, ça y est, je l'ai. Et donc maintenant, j'ai en ma possession donc. Voilà, l'obsidian mining cell. Alors pour le moment, je vais garder la stone mining cell sur moi. Jusqu'à ce que j'ai besoin de ça. Comme ça, au moins, je gâche pas trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Au moins, voilà. Je l'économise, comme on dit. Hein. Et donc on va aller dormir les amis. Vous allez voir on va dormir dans un petit coin de paradis.
Vous allez voir. Bah, on va dormir maintenant en fait. Regardez, ce petit coin de paradis quand même. Est-ce qu'on est pas bien là? Franchement. Dos à la fenêtre où on peut voir des méchants. Voilà, ça y est, le soleil se relève. Ah, quel plaisir. Alors, est-ce que je peux recrafter des extracteurs? Oh oui, beaucoup en plus, 11. Ah, c'est pas ouf en fait. Ah, il me refaut des wood slabs. On va être méthodique. Attendez, bah j'ai plus de bois de toute façon. Ah si, pardon. On va faire ça l'un après l'autre. Comme ça au moins on peut crafter au fur et à mesure, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même plus satisfaisant. Bon, on va pouvoir repartir du coup les amis. On attend que ça se termine et puis après on va pouvoir repartir. Évidemment, là où on a déjà commencé l'exploration, parce que c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de choses à voir. On va refaire des coal torches, évidemment. La question ne se pose pas. Les extracteurs, il me refaut juste une wood slab et on part, d'accord? Ça je reprends. Hop, voilà. C'est parti. Non, j'ai oublié de prendre. Voilà, c'est parti, on y va. Et bah, la magnétite, on s'en fout, je vais la laisser là. Je vais remettre un petit peu des trucs là. Voilà, là on est plutôt pas mal. Et la mousse torche, on s'en fout. Enfin, la mousse torche, ça va pas ici d'ailleurs. Ça va ici. Voilà, c'est parti, on y va, perdons pas plus de temps. Et on ferme la porte derrière nous, évidemment. C'est toujours mieux. C'est parti. C'est parti, chers amis. Bon, je suis content parce qu'on a quand même bien avancé dans la mine, hein, je parle. On a bien progressé et du coup c'est vachement cool. Alors il y a un chemin aussi à gauche là. On pourrait aller voir. Quoique. Oh non, je vois des monstres. De toute façon, je pense que tout est relié au final, tout en bas. Donc dans tous les cas, pourquoi tenter le diable, hein, me diriez-vous. Alors là, on peut récupérer encore du charbon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer? Non. Alors on va aller voir les stalactites du coup. Et vous allez voir, ça va nous débloquer des nouveaux crafts, j'imagine. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous débloquer, d'accord? Donc la stalactite est ici, je peux pas la récupérer évidemment. Il faut que j'enlève la stone mining cell pour avoir l'obsidian mining cell. Et là, on découvre la stalactite, très bien. On va tout prendre du coup. Et ça nous a rien débloqué comme craft. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais si, forcément que ça nous a débloqué des trucs. Bah déjà maintenant on va pouvoir crafter ça du coup, j'imagine. Oui, parce que ça il faut le faire avec les stalactites ce qu'on... Ouais bon, ça par contre c'est quoi? C'est des champignons. Ah, c'est aussi dans les stalactites dans les cavernes de stalactites quoi. Bon bref, on va en prendre un petit peu. On n'est pas obligé de tout prendre. Si jamais on sait qu'il y a une réserve ici. Là c'est quoi ça? C'est de la terre. Très bien. Bien, continuons les amis. Je découvre des nouvelles musiques. J'ai jamais entendu cette musique sur le jeu. Ah! Est-ce qu'il y a encore? Ouais, il y a encore de l'obsidienne. On prend. Est-ce qu'il y en a derrière? Je crois pas. Ah, si, il y en a derrière. Ah non. Non. Est-ce que vous me sentez tendu alors que là, il n'y a pas de raison de l'être? En tout cas, je le suis. Bonjour. Voilà. Comment ça va? Oh là là. Oh là là. Lui il peut pas venir, on est d'accord. Mais pourquoi ils ont des couleurs autour d'eux? D'ailleurs, stalactite. Stalactite. On va aussi les récupérer là. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre eux? Parce qu'il y a stalactite et il y a stalagmite, il me semble. Et alors, il y en a, ils vont vers le haut et d'autres qui vont vers le bas. Et eux ils vont vers le bas. Donc les stalactites ça va vers le bas. Donc j'imagine que les stalagmites ça va vers le haut. Oh là là, ça fait peur. Mais j'ai l'impression que je peux pas aller en bas et que je vais me faire empoisonner, non? Enfin je sais pas, j'ai cette impression. Bon, on va descendre. Ouais, je vais user quand même l'obsidian mining cell du coup pour descendre, hein. On va pas se casser la tête à changer à chaque fois parce que je pense pas que ça va être la plus grande priorité pour le moment. Là, oh c'est quoi ça? C'est encore des stalactites. Stalactite, pardon. Descendons comme ça, je pense que c'est le moyen le plus safe. Ah, on a découvert de la steel stone. Je sais pas ce que c'est, de la steel stone. Ça m'a débloqué des crafts. La steel stone. On va aller à droite. Oh là, bonjour. Oh là là. Ça me fait peur. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur?
Il y a de l'eau. C'est de l'eau, ça, on est d'accord. Alors. Lui, il peut pas passer à travers ce petit trou aussi. Il peut passer à travers le petit trou. Expérience sociale. Adieu. Ah! Oui, il peut passer. Ça y est, je sais. Non! Non, 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 non! Non, non, je me fais attaquer par un gentil, je me suis trompé. Je vais crever à cause d'un gentil. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu une chance d'enfer. J'ai eu une chance d'enfer. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous avez vu ma santé là? Je me suis retrouvé à 300, hein. Je me suis trompé de personne. Oh là là, j'ai eu trop peur. Oh là là. Donc les petites bêtes et tout là, les méchantes, elles peuvent passer à travers les. Oh. Non, mais ça c'est. C'est pas cool quoi. Comment on va faire? Il y a du tar, donc ça je peux pas récupérer. Bonjour. What? D'accord. Eh ben heureusement que je suis pas allé dans l'eau. What? Regardez, c'est quoi ça là-bas? Il y a une sorte de méchant qui a l'air de faire du feu en fait, je pense. Oh non, mais moi j'ose pas m'aventurer. Non mais j'ose pas, hein. Ça me fait trop peur. Et puis l'eau elle a l'air dangereuse du coup. J'ai trop peur. Là-bas je vois des trucs lumineux. Et là je vois un méchant mais qui fait vraiment très peur. Oh, Iron Node. Attends, on va récupérer, c'est du fer. Avec l'extracteur on peut récupérer, c'est bien ça. Non, j'ai peur, je sais pas quoi faire, les frérots. Oh là là. Je sais pas quoi faire, putain. Faudrait que je me fasse une armure, donc ça tombe bien, il y a du fer. Pourquoi il bouge pas là-bas, lui aussi, là? Ah! Pardon, il m'a fait peur. Putain, mais c'est pas vrai! Même les gentils font peur. Bon, attends. Vas-y, viens, toi. Voilà. Déjà on va se mettre en sécurité, d'accord. Et je vais récupérer le fer. Ce jeu me fait peur. Attends, ça prend du temps en vrai. Ah ouais, il faut 4 minutes. Ah ouais, d'accord. Casse-toi. Je sécurise un peu le tout là parce que. En vrai, je pense que ce que je suis en train de faire, c'est la meilleure chose. Regardez, on va faire un pont par-dessus. Mais là-bas, il y a un truc bleu là-bas, vous voyez? Je sais pas si ça rendra pareil comme j'augmente la saturation. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur, mais du coup, ouais, je fais un pont et on va voir comment ça se passe. Là-bas, il y a un méchant. Alors, je récupère le fer. Je sais pas à quoi ça pourra me servir. Alors, le monstre, il est toujours là-bas. Ah ouais, là-bas, ça a l'air d'être un méchant aussi, en fait, le truc bleu qu'on voit. Oh, mais c'est hardcore, ce jeu. Oh, je vous jure, je suis pas bien du tout, là. C'est un sketch, hein. Oh,
C'est un sketch ce qui se passe, j'ai trop peur. Putain, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je vous jure, je suis vraiment pas bien. Non, ça a l'air d'être un coffre. Non, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, je sais que maintenant, si je pose une torche dans l'eau... Non, mais là-bas aussi, il y a un méchant trop bizarre. Non, mais il y a plein de mobs que j'ai encore jamais vus. Mais ouais, si je place une torche dans l'eau, j'ai l'impression que ça crame. Enfin, l'eau, elle crame, quoi. Oh, putain. Oh, putain. On va peut-être pas chercher la merde, hein. Bon, lui, il peut pas passer, lui, hein. Lui, il peut pas venir. Ah là 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 là. Bon, les mecs, j'ai pas d'autre choix. Vous savez ce qu'on va faire, du coup? On va ressortir. Attendez, je vais me TP. Ce sera peut-être... ce sera plus simple, parce que j'ai beaucoup trop peur. Je vais me TP. Les frérots... Oh oui, on est bien, là, quand même. On est bien, ici, hein. Les frérots, je suis désolé. On va s'en arrêter là. Et moi, je reprendrai pas la série. Enfin, je continuerai pas. Tant que vous m'aurez pas expliqué en commentaire et rassuré, du coup. Disons-le. Mais dites-moi la vérité sur ce qui m'attend, en fait. Genre, les différents monstres qu'on a pu voir. Bah, dites-moi à peu près ce qu'ils font. Comment les apprivoiser. Enfin, les apprivoiser. Comment les appréhender. Comment les... Voilà. Comment les tuer. Comment négocier avec eux, quoi. J'attends tous vos commentaires, les amis. J'espère vraiment que vous comprenez mon angoisse. Et puis, j'espère vous retrouver très rapidement pour le prochain épisode. Mais du coup, voilà, je compte sur vous en commentaire. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, essayez pas de me rassurer en mode « Oui, mais t'inquiète, ils font rien. » Mais soyez rationnels et dites-moi ce que je dois vraiment faire. S'il y a peut-être une astuce. Tout ça. Moi, j'attends vos commentaires. Je sais qu'il y a des experts qui regardent mes vidéos. Donc, et heureusement d'ailleurs. Donc... J'attends vos commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour m'encourager, vraiment, je vous le demande, mettez votre plus gros pouce bleu, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo qui fait pas le malin. Ciao tout le monde.